Pour ce projet-là, j'ai baptisé Rivers, donc cette petite pièce courte que je vais composer pour les danseurs japonais. L'idée est de renverser les corps. Et donc la contrainte serait d'élaborer une écriture chorégraphique dans laquelle les cinq danseurs ne poseraient jamais le pied au sol. Imaginez un monde qui marcherait sur la tête. Donc, de toute façon, c'est un peu le monde, un peu le reflet du monde d'aujourd'hui. Mais voilà, d'utiliser la technique du b-boying avec notamment le head spin, qui est ce mouvement phare de la danse hip-hop, qui est tourné sur la tête, que j'ai envie de décliner, tordre, développer, pousser, glisser. Enfin, j'ai envie de m'amuser avec ça. C'est une belle originalité d'avoir, dans le cadre d'une seule soirée, trois univers extrêmement différents, avec comme point commun cette énergie hip-hop, cette dynamique hip-hop. Okay.